Ah ben, salut à tous, bienvenue sur cette carrière As Véronne. On va faire comme un tel que j'ai fait là. Attends, ah ben, c'est pas grave. Ben, on va jouer. En fait, le truc ça a bugué. Bah, excusez-moi pour le truc, voilà. On va faire combien de matchs aujourd'hui? On va faire que deux matchs. Parce qu'on rappelle que quoi, la Roma était mal mise. C'est pas grave, la Roma à la K. Je sais pas pourquoi il m'a mis la Roma. Attends, je vais regarder un truc peut-être. On va voir ça. Bah, c'est le jeu, c'est ce qui était pas. On va essayer de regarder sur Steam. Attendez, je regarde si je peux aller sur Steam. Attendez. Sur 24, 23, attendez. Je vais faire un truc, l'équipe, je suis désolé, je vais faire régler un truc. Il faut aller sur 24, je crois, attendre. Steam, 24. Attendez, je vais faire un truc, excusez-moi. Parcours. Data. Baza. 2-3. Voilà. Ah ok. Ah ouais, ah d'accord, pourquoi ça marche pas? Ok. Fac. Ok. Attendez, hein, juste un truc. Attendez l'équipe. Ah ok, d'accord. Ah, on verra tout à l'heure, mais on va ajouter quelques trucs parce que en fait c'est bien ça que ça marche pas. On regardera les règlements. On regardera tout à l'heure parce que on regardera tout à l'heure les trucs parce que bon, bah, ça on verra plus tard. On regardera les autres trucs. Là j'ai mis, je levais quelques trucs. J'ai mis quelques trucs. On verra plus tard. Là il n'y a personne. Merci. Attendez. Ça, bah dégage. On verra plus tard, on ira sur la chaîne YouTube. On ira plus tard, on verra tout à l'heure pour le truc. Voilà. Attendez, je vais juste revenir en arrière. On va faire. Je sais pas si je vais revenir en arrière. Attends, je vais faire. Non, on verra. Bon, on va faire combien de matchs aujourd'hui? On va faire que deux matchs. Bon, on va jouer à la Roma parce que le club qu'on a mis, la Roma, c'était pas intéressant. Là. On va jouer à la Roma chez eux. La Roma 3ème, parce que le Capitano, c'est la Roma. On verra ça. T'as la Fiorentina à domicile 10ème, ça sera des matchs compliqués, tu vois, c'est pas mal du tout, je voudrais ça. Au classement, on est toujours dernier avec 8 points. On rappelle qu'ils sont une victoire, 5 nuls, 16 défaites. Tu vois, on va vous montrer ça. Au niveau tactique, c'est pas la tactique, je cherche le staff, c'est quoi ça? Il manque quoi là? On verra le staff plus tard, il y aura deux staffs, il manque deux staffs. On verra plus tard. Non, c'est pas ça que je veux. Au niveau tactique, je vous montre la tactique, c'est ça la tactique qu'on va jouer. C'est le 4-2-3 prudent en contre-attaque fluide, tu vois. On passe une tactique comme ça pour le prochain match. On va tester cette tactique-là. Entraînement, on est où l'entraînement là? J'ai des entraînements. Bon, que je fasse des entraînements, bon, ça c'est. Je vais faire un match là. Attends, je vais ajouter en entraînement deux matchs. J'ai fait quoi là? Ah, excusez-moi, c'est ça, bah, d'accord, c'est ça que je voulais faire, excusez-moi l'équipe. Ça, c'est zéro match. Allez, c'est parti, on va avancer un peu. Je vous rappelle que la carrière Roma, c'est pas le même nom, mais c'est pas grave. On fera ça peut-être plus tard. Et ça progresse pour Florentino. Pour suivre. Ouais. On va l'entrée. Bah, il fait pas de bonnes notes, il y a 6,85, mais je suis. Ouais, je suis désolé pour toi. Hein. Dommage pour Major. Alors, José Mourinho, ouais. Mourinho c'est l'entraîneur, mais en fait, il est pas. Ouais, Mourinho c'est un bon entraîneur de la Roma parce que oh, bah, la carrière Roma elle est bien, mais on voit pas le vrai nom, tu vois. On verra si j'ai temps de tout finir. Parce que les photos de la Roma c'est bien, mais c'est mal mis, tu vois. Mais tu vois que voilà. Sondra 3-1. C'est moi qui gagne 3-1 face à Bologne. Sampdoria, t'as les 18 qui fait match nul. Je crois que on verra si on peut tenter un truc. Peut-être on verra, peut-être quand on aura fini le jeu, on partira sur le truc quand on changera les noms. On verra après parce qu'on changera les noms juste après, on verra ça. Mais les vrais noms sont pas intéressants. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est un bon joueur. Il signe quand lui?
Alcindor le 1er juillet, ça c'est un bon joueur, ça, il est intéressé ce joueur, il est intéressé. Ah, une possibilité de faire face à la Roma. La Roma c'est très compliqué ce club. Cyril, là, il progresse, lui, 11 que 10. Ah, c'est pas de joue à 20h45 contre la Roma. On joue à l'extérieur, c'est compliqué, on est 3, ils sont 3ème, hein, attention à eux. Ça se complique. Mais voilà. T'es 2-2 l'Ulve, 2-2. Ah ben, je le maintiens, l'Ulve. Lui, il a joué le match, le Serbe, il a joué 90 minutes, 6-7, c'est pas mal, c'est bien. Physique, David qui peut jouer 115 minutes, toujours blessé, Milan. Voilà. L'Inter 2-1 face à Udinese, Milan 2-0 à Monza, Lazio 2-1 à Salernitana. Napoli cartonne Sassuolo 5-0, Pescia qui gagne la Juventus 1-0, et on va jouer la Roma à l'extérieur. On va rester en, comme d'habitude, en positif parce qu'on joue très bien en positif, on joue bien là-bas. Voilà, on va rester en positif parce que j'ai pas envie de pas bouger. Tu vois. Voilà, vous voyez les trucs. Voilà, c'est bon. Bon, allez, juste contrer cette équipe de l'AS Roma parce qu'on est chez eux, au stade olympique. De la Roma, mais ça va être très compliqué. Tu vois un peu les coups piratés, c'est bon les coups piratés. Ouais, c'est bon. Let's go. Allez, c'est parti pour ce premier match. Ouais. On va dire ça pour y répondre, les journalistes, c'est bien qu'il répond, tu vois. Ouais. Bah, en plus, on joue à l'extérieur en plus. Ouais. Ça veut bien qu'il revient lui, hein. Je suis content qu'il revienne, mais on y va. Hein. Puis ce soit une victoire. Hein. Ce soit une victoire, eux, bah, nous, et sur aussi un match nul, mais je crois que le match nul, ça va très bien. Mais en fait, la Roma, c'est très compliqué. Chez eux, c'est compliqué. Ils sont 3e, juste à un point de la Simila. Nous, toujours dernier avec 8 points. Mais nous, on joue notre survie parce qu'on joue notre survie. Hein. Cette carrière en jeu de survie parce que c'est normal, tu vois, que par exemple. Allez, on va demander plus pour ce premier match. Putain, le retour de Pénig, il y a du mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a même de Lukaku qui prend un carton. Lukaku, j'ai averti Lukaku. On a déjà son carton jaune. On est chez eux, mais on joue le jeu. Ah putain, perdu par Lukaku, il a occupé Pazuni qui a perdu le ballon face à Lukaku, si on est juste de blessure, notre latéral droit qui est juste de blessure. En fait, il peut jouer 115 minutes. Ça, c'est bien joué. Le retour de Spelazzola. Allez, le centre contré. Et ce sera un premier corner. Je vais lever la Roma, mais on verra. Mais on n'a pas le temps de le faire. Parce qu'on le fera peut-être après quand on a fini les deux matchs. On verra ça. Le corner, c'est la tête axe. Main de Ginter qui a mis une petite main. À la main de Ginter qui a mis une petite main. Ouais, je crois que. Voilà. Il est récupéré par Fazzoli, il récupère, c'est bien mon latéral qui aurait juste de blessure. Ah putain, pourquoi tirer le ballon à Indica? Putain, c'est pas possible, putain. Tiens, on perd beaucoup de ballon les gars, on perd le ballon là, c'est pas possible. C'est lui le 27 qui a perdu le ballon face à la passe chercher le ballon, tu vois. Attention, attention. La frappe de voilà, ce qu'on a eu par Karchkorp et c'est 20-0 pour la Roma. But de latéral droit. C'est pas celui de Karchkorp. Il trompe Motipo. Là c'est dur, hein, ce qu'on a mis par Karchkorp. Il me fait très mal ce joueur, le Hollandais. Regardez, allez, le mec et le monsieur, le mec est tout seul. Hein, mais il peut rien faire, Motipo. Ouais, exactement. Je suis désolé les gars. Ouais, on va quand même critiquer. Je suis désolé, on va critiquer. Déjà 0 pour la Roma. C'est très compliqué. T'es héros, il dit pas le ballon.
Renga qui parle maintenant face à Karskorp. Putain, sérieux les gars, faut pousser les mecs, quoi. Putain, mais toujours le dernier. Hein. Ah, c'est compliqué. Allez. Oh, la frappe de Fazzani contrée. Frappe a été cadrée, mais c'était dévié. Vas-y, le centre là, pardon, Patricio. Putain, le centre est bon de. Bounounira qui a centré bien, ce sera un corner. Ça va, ça, tout va bien, ça s'enchaîne. Le corner dégagé par Indica. Frappe de Sapura qui rate le cadre, début de Papissio. Dommage pour Sapura qui a failli égaliser, mais c'est à côté. Très dommage. Force est dégagée, bien défendu ça. Là, pour l'instant, ça se complique. C'est pas qu'on va pas la Roma, c'est pas, c'est un club que je connais bien, mais c'est un club de la capitale d'Italie, parce que voilà, tu vois. Ben, vous savez que le son est pas fort. Ben, si vous entendez le son est fort, c'est pas grave. Le son est fort parce que vous entendez le son fort, c'est pas grave. Je règle ça peut-être plus tard. Bien défendu, ça sera encore rien. C'est pas qu'on n'a pas le CAP, c'est-à-dire c'est Roma, mais en fait on n'a pas le vrai nom de la Roma. C'est vrai, pas le vrai nom, tu vois. Corner s'est dégagé par Michael. Le retour de Mutu qui récupère si bien, qui a défendu notre ailier qui est le meilleur du match. Qui a une note de 7. Ça c'est bien joué. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'avec le Bayern, on avait perdu aussi une défaite face à Francfort, match en retard, tu vois, c'est normal. Le centre s'est dégagé par Sporting. C'est 5-0. Avant de commencer, quand on a fini le premier match, on va sauvegarder. Avant de sauvegarder, il faut vraiment sauvegarder parce que si tu perds sans sauvegarde, c'est compliqué. Le corner s'est dégagé par Sporting. Ah, c'est quoi ce centre? C'est 6 mètres. Peut-être 6 mètres alors, putain. C'est dégagé par O-Ring, la tête de Lorente, à la parade de Montipo. Ce sera encore Montipo qui aura des points, ce sera un corner. Corner dégagé par Winter. La reprise de Pellegrini contrée par le 18, bien contrée. Et la frappe est dangereuse de Pellegrini. Oh putain, sérieux! Et on se prend par Lukaku. 2-0. Il fait mal ce but de Lukaku, il fait mal ce joueur. 2-0 pour la Roma. Il va accorder le but de Lukaku, on va voir s'il y a hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu Lukaku, bien sûr qu'il est hors-jeu, monsieur l'arbitre. Il est hors-jeu. On reste 1-0. Ouais, mais ouais, il est hors-jeu. Bien sûr qu'il est hors-jeu Lukaku, qui est hors-jeu ce ballon de Spelazzola. Je crois que c'est Spelazzola qui est le ballon de Lukaku. On reste 1-0. Pour ça c'est compliqué cette première mi-temps. Vas-y. La frappe de Fazzali contrée par Spinazzola. Et un corner en plus. Là, pour l'instant, c'est. Je sais pas qu'est-ce qui a le plus noté. Ah, le plus noté, c'est le jour le même. Le corner s'est dégagé par Indica. Putain, il parle pas loin ça, Spinazzola. Sérieux. Je donne des rôles. C'est pour l'instant on a discuté parce qu'on rappelle que lui passe en arrière, parce qu'on rappelle qu'il y a Dybala qui chute devant. Hein. Pour ça. Ah il rend le ballon, après il rend le ballon, il rend le ballon. Oh, putain, c'est pas possible. Oh putain, la frappe qui rate la frappe Dybala à côté. Il est venu au mal cette frappe de Dybala, mais il fait très mal ce joueur. Il passe deuxième, troisième cette équipe romaine. J'ai pas vu que lui est déjà averti, je vais déjà se calmer. Lui aussi est déjà calmé. Le centre s'est dégagé par Ginter hors-jeu. Pour Lukaku, tout en position de hors-jeu. Mais il reste là 3 minutes. Ouais, 3 minutes de temps additionnel, toujours à 0. Putain, plus on rend le ballon à l'adversaire, ça rend fou. Ouais, mais on verra, on va peut-être jouer, on va peut-être en seconde période peut-être changer quelque chose.
Retour ça de Fadjali qui défend. Et c'est la victoire 1-0 pour l'AS Roma. On se prend vite par le but de Kashkor par la 10e minute. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu commence à bugger, putain, c'est pas possible, je voulais faire les stats. Putain, ce jeu, arrête de bugger le jeu. Putain, tu gonfles. Alors, le jeu commence à gonfler. Bah, j'étais en train de faire des stats. Je suis en train de faire les stats, il me fait bugger. Putain. C'est encore ce jeu, hein, il gonfle. Ce jeu, il s'arrête pas. Ah, il faut que j'appuie, il faut attendre que ça vienne tout seul. Et là, parce que vous voyez le truc là, le pouce, j'appuie sur la touche, tu vois, vous voyez, j'appuie sur la touche du. J'arrête du match, du stade de match, j'appuie dessus, il me fait bugger. Putain, ça rend fou. Moi, je lève ce jeu, non, je ne lève pas. Ah, parce que c'est quelque chose qui gêne, d'accord. Attendez, attendez. On va juste. Il y a un petit problème de jeu. Bah, c'est pas le jeu. Ouais, c'est quand j'appuie sur le jeu, il y a un problème. Parce que j'appuie dans la touche, mais en fait, ça, si j'appuie deux fois, ça va enlever le comme hier, tu vois. Au moins qu'il y ait un problème. Au moins que je fasse quelque chose. Ben, je peux pas appuyer sur les stats. Hein. Je peux pas appuyer sur les stats là. Qu'est-ce qui se passe là? T'es au moins que je disais. Non, je vais pas désinstaller le jeu, je vais pas désinstaller. T'es bête. Hein. Au moins que je réinstalle le jeu, mais je peux pas réinstaller. Mon gars. Je peux pas, sinon je te perds. Tu vois. Ça me gonfle. Bon, on dirait que l'ordi. Non, c'est pas mon ordi, c'est. C'est encore ça qui fait bugger, tu vois. Le truc que j'ai dit, le truc hier, le truc bleu là, le nuage blanc, bleu là. En fait, putain, qu'est-ce qui se passe? Bon. Bah, en fait, faut que je lève encore des trucs. Hein. Putain, ça rend fou, ouais. En fait, c'est quand je lance une partie, mais attends, je vais faire. Attends, je vais aller sur internet avant de commencer le jeu. Je vais commencer un truc avant de commencer ça. Je vais aller sur internet. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est un truc de fou, ça. Putain. Attendez, je vais regarder un truc avant de taquer. Parce qu'on rappelle que le ça s'est jamais arrivé. Le jeu m'a vraiment bugué. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Je sais pas pourquoi il m'a bugué. C'est encore bugué. Hein. Putain, c'est comme hier. Hein. Alors, on était où là? Attendez, attendez. J'étais à combien là? J'étais à 4. Ça. Attends, il faut que je fasse quoi là? Attendez, l'équipe, je fais un truc. J'enlève ça. Attends, faut que j'enlève ça. Magifac, j'ai enlevé. On va enlever ça. J'enlève quoi, imagine? Japon, ça. Et après, ça 24. Ça. Ok. Ensuite, edit. Fac. Ok. Et après, il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève quoi, imagine. Japon, c'est un club. Eh merde, excusez-moi. Désolé pour le truc, je vais encore tromper. Brésil. Il faut que j'enlève le catch, j'imagine. Celui-là, celui-là, je vais l'enlever. Ensuite, j'ai un pour fac. C'est bon, j'ai levé là. Et 24, j'ai enlevé, c'est bon. Voilà. Il y a Ligue aussi que j'ai pas levé. Ligue, J-League. Ligue Ono. Ligue. Ah, c'est celui-là. Ça va, ça marche le jeu. Il y a un problème. Attends, je peux pas appuyer là. Je peux appuyer dans le jeu ou pas? Pas appuyer. Il faut pas m'appuyer. Je peux pas appuyer. Mais qu'est-ce qu'il a? Putain, le jeu, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un problème. Attendez. Ah, c'est comme la dernière fois, comme hier. Hein. Il y a un problème. Attends, je vais essayer d'enlever. Attends, je vais essayer de faire un truc. Au moins que je refais une nouvelle partie. Non, je suis plus attendu. Au moins que. C'est ce jeu qui a un problème. Tu vois, j'appuie ici. Regarde.
Je vais dans là. Quand je suis parti, ça marche très bien. Mais après, quand j'appuie sur le stat et tout, j'appuie sur vestiaire, il me passe à appuyer. Ouais, il y a des bugs. Hein. Que des bugs, les gars. Que des bugs. J'ai un bug. Je sais pas pourquoi j'ai un bug comme ça. Moins que je fasse ça, hein. Tiens, moi je pique peut-être, tu vois, bah, déjà on a bien joué quand même. Attends, je vais refaire. Hein. Attends, je vais quitter le jeu. Ah, l'équipe, je reviens. Je vais juste quitter le jeu. Attendez, je vais juste quitter. Ah, on m'entend parler deux fois. Ah, excusez-moi. Oh putain, on m'entend parler deux fois. Attends, je vais enlever ici. Ah bah c'est bon, attendez. Ah je parle deux fois, ouais, d'accord. Casque, casque. Ouais. On entend deux fois parler. Faut que j'active sortie, bah on va lever le saut. Attends, je vais enlever ça, je vais pas. M'attendez là? Ah on parle. Ah, je... ah bah c'est bon. Excusez-moi l'équipe. C'est bon les gars, ça marche. C'est bon les mecs. C'est bon. Oh là, putain, ça recommence. Putain, arrête de couper. Oh, ce jeu il commence à me gonfler. J'étais en train de faire l'apprend 8 ans et il me fait bugger encore une fois. Oh ça rend fou. Tiens, rend fou ce truc. Attendez, alors on va faire. Faut que je fasse pareil pour l'autre. 4000. Attendez, j'espère. Un fuck, tu m'as dit fuck. Attendez, tu m'as dit fac. Ça, tu m'as dit ça. Tu m'as dit quoi? Japon. Celui-là, je crois. Ouais. Et après, il y a celui-là. 24. Ok, dites fac. Ensuite, paiement. Tu m'as dit quoi? Okay. Ah ouais. Pas vu. Japon. Ouais, Japon club. Ok. Les îles. Fan event, celui-là. Japon fac. Et ensuite. Ligue non respect. Ok. Bah, il y a quoi? Eh, pas une sub aussi? Attends, il y avait une sub aussi, j'avais pas vu. Ah, il y avait sub aussi. Non, j'ai pas sub. C'est quoi? Dans quel... Ah, c'est dans sub. J'ai sub. Et il dit lise langue. Pas langue là? Ah, langue. Il n'y a pas langue. Il n'y a pas langue. Bon. Bon, il y a un problème de stats, les gars. Problème de... Je voulais appuyer sur la touche stats. Sur un truc. Attends, il faut que je quitte le jeu, peut-être. Il faut que je quitte le jeu, toi. Moi, que je lance le jeu, les mecs. Je suis désolé, je vais lancer parce que là, il y a. Petit problème, quitter, sauvegarder. On va quitter le jeu parce que ça commence à casser les bonbons. Ça bug, tu vois, ça bug trop ce jeu. Il bug. Ben, en fait, le jeu il commence à bugger, les mecs. Je suis désolé, ça bug. Je peux pas lancer. Ben, je vais lancer parce que il y a un petit bug de merde. Excusez-moi. Attendez. Et que des merdes j'ai dans le jeu. Que des trucs de je sais pas quoi. Putain, ça rend fou. Ouais, ouais moins que je l'avais un truc. C'est fait là. Moins que je fasse quelque chose. Attends, ça j'ai enlevé ça. Ouais. Alors ça c'est quoi? Fuck. France. Mettre 3. Oh, ça me casse les couilles. Pas bien à me dire. Bah, excusez-moi pour le truc, hein. Je me suis trompé. C'est pas grave, c'est Charlie là, quoi. Ligue. Roma.
Ok, bah c'est bon les gars. Ouais, c'est bon. Bon, le jeu il a comme un bug. Attends, je vais faire un truc. Je vais relancer le jeu parce qu'il y a un petit problème. Attends, je vais lever ça peut-être. Je vais lever ça peut-être. Je vais le suspendre ce truc. Je vais le suspendre jusqu'à quitter le truc. Je vais quitter ce jeu parce qu'on va relancer une partie. C'est comme ça. Bon, désolé pour le petit problème technique, j'ai eu un problème de. Un petit problème de. Ben, en fait, le jeu est lancé, le jeu a lancé. Ben, le jeu a vraiment lancé, après j'ai. Il y a eu un problème. Moins que. Voilà, parce qu'il est là. Voilà, c'est bon. Voilà. J'ai que des problèmes, les gars. J'ai que des problèmes, tu vois. Ça marche pas bien, mais j'ai enlevé ça, c'est bon. C'est peut-être que ça qui me fait bugger, mais en fait. Moi que je fasse une pause. Moi que. Voilà. Bah ça vient du truc, ça vient pas de bug, ça vient pas bugger, ça vient du machin, ça vient du jeu, du truc de tableau. Mais tu vois que. Tu fais ça. On voit si ça marche là. Un peu mieux comme ça, est-ce que c'est mieux comme ça? On va voir. Moins que c'est ça. Hein, qui fait bugger le jeu peut-être. Quand je mets ça, peut-être ça. Je sais pas si je refais tout déménager. Ah ouais, c'est mieux. En fait, c'est un peu mieux. Eh oui, c'est un peu mieux comme ça. Mais en fait, ça vient du truc. Moins que je fasse un nouveau truc. Mais tu vois que. Voilà. Voilà. Voilà, tout à refaire. On va refaire une nouvelle partie. Je vais refaire. Bon, bah, je vous ai dit tout à l'heure le truc. Je vous ai dit tout à l'heure. On va refaire. Je vais refaire le truc parce que là, bon, ça c'est fait. Là, ça, je fais. Bon, lui ça progresse pour lui, on va le donner. Entraînement, ah, les entraînements j'ai déjà fait. Bon, on va faire ce match. Bon, Mourinho, on va pas y répondre. Voilà, j'ai changé quelques trucs. J'ai levé le truc, tu m'as dit là. Allez, rencontre. Ouais. Bon, on était à la 8 ans, on était à la 8 ans. T'as un partout, ils ont fait. Ok. De partout, j'ai dit tout à l'heure. Moins que je mets dans un ordinateur le truc de l'ordinateur, dans un Acer, tous les trucs du 22 et du 23, on mettra sur, pas sur le truc, on mettra sur Acer. Je verrai tout à l'heure si on a le temps de tout mettre. Mais quand même. Ça c'est. Ouais, j'ai vu défaite, ça progresse. Bon, là, on y va, allez, on y va, on avance. Moi, je préfère enlever. Avant de commencer, je vous explique pourquoi j'ai. Je vais baisser un peu ça, l'écran en haut. Comme ça. Et je sais que voilà. Là, c'est un peu mieux, tu vois. De 7, pas mal, 90 minutes. Allez, ça refaire le match, bah. Ça c'est. Tout est à refaire. On va tout refaire parce que on va tout refaire. Ouais, il propose de jouer court, je vais tenter de rester comme ça. Là, je vais commencer cette équipe de la Rome, on va le contrer parce qu'on est chez nous, on est chez eux, excusez-moi. Je vais voir si je peux tenter un truc. Joueur. Attendez, je vais régler un truc là. Ouais, je crois que je vais lancer. Je pourrais peut-être jouer comme ça. Bah, rapide contre, c'est bon. On va tenter de. Voilà, un jeu plus haut, c'est pas mal. On va peut-être jouer court. On va jouer plus court parce qu'il demande de jouer court. On va jouer comme ça, plus court. On va tenter ça. Allez, c'est parti. Putain, c'est encore. Bah, c'est un bug game, c'est pas grave. C'est bon, c'est revenu. C'est peut-être le machin qui a eu un problème. C'est peut-être mon machin qui a eu un problème. Ah, ils sont inquiets, putain, je m'en fous. Bon, je fais pareil comme tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti, on va refaire le match. Ouais, c'est un peu mieux, les gars, c'est un peu mieux. On refait le match de la Rome. On va refaire le même match qu'on avait fait hier avec le Bayern. J'ai fait un match nul. Après, ça m'a bugué. Après, ça j'ai perdu 1-0. Et la Roma, j'avais perdu à la 8 ans 1-0 face à la Roma. Et après, c'est à refaire. Parce que, bah, le match est à refaire. Putain, il gonfle ça. Putain, ça fait deux fois que ça me fait ça. Il y a que le Bayern Munich, ça marchait pas bien aussi. Et avec la Roma, c'est. Pardon, avec l'AS Vérone, c'est pareil. Ça me gonfle. C'est deux erreurs que je fais, moi. C'est deux erreurs.
que je fais. Peut-être au moins tout à l'heure quand j'aurai fini ces deux matchs, je vais peut-être mettre sur un truc, pas sur le truc. Au moins enlever le truc qui s'appelle, je sais pas, au moins enlever le truc, je sais pas. Pour l'instant, c'est bien défendu pour l'instant. Bah, il me propose de jouer court parce que beaucoup court, c'est pas intéressant. On joue court parce que voilà. Oh la frappe, quelle frappe la parade! Bah, c'est qui a frappé hein? Ah, j'ai pas vu, c'est l'arrêt de mon typo. Quel arrêt de mon typo sur la frappe? J'avais pas vu qui c'est qui a frappé, j'avais pas vu. Mais voilà. T'as de l'orienté dans les bras de mon typo. Faut pas que je parle parce que j'ai pas envie de répondre. Allez, coup franc. Ouf, c'est dégagé par Smalling, dommage. Le centre, oh puis c'est dégagé par l'orienté, attention l'orienté capte le danger. Allez le centre c'est dégagé par Smalling. S'il y a... Oh là là, frappé la parade de Rui Patricio, la frappe était bonne de Ring. Quel arrêt de Rui Patricio, cette frappe de Ring, le Écossais qui a failli marquer. Ce sera un corner. Corner dégagé par Indica. On est en train de se réveiller les gars, en train de revenir dans la partie les mecs. Ah, le centre, la tête de Sapora sur dessus. Début de Rui Patricio. Pour l'instant ça va. Pas qu'on craque, mais on va pas craquer parce qu'on est chez eux, mais. Moins pas craquer, tu vois. Avant de finir le match, je vais sauvegarder la partie juste après parce qu'après j'ai des soucis, tu vois. Allez, contré corner. Si j'appuie sur les stats, c'est juste que. C'est quand je télécharge le truc qui est imaginé. J'avais pas pensé à ça, mais il faut pas le supprimer, on va sauvegarder pour on verra. Vendu par Ginter. Bah, il y a deux Ginter, un qui joue à Fribourg et l'autre qui joue du côté de la Zéronne. Il y a deux Ginter. Oh, c'est le frère de Ginter, c'est son frère, je crois. Je sais pas. Mais... Ouf, bien défendu face à Lukaku. Ce sera un corner. Il est dans ce centre de Karskorp, Karshop. Tout à l'heure, il avait marqué un but tout à l'heure contre nous. C'était quand on avait lancé l'enregistrement. Hors-jeu. Hors-jeu pour Dybala qui est hors-jeu. Ok, Dybala, le petit lutin. Qui n'était pas que la Juventus. Allez, le coup franc, la tête de Ring au-dessus. Début de Rui Patricio. C'est dommage. En fait, ça se rapproche parce que si on fait match nul et tout, on passe devant la Sampdoria. Parce que tu fais que. Tu vois quoi? C'est assez contré, corner. Peut-être, on verra ben, si on peut refaire le truc sur le ACR. On verra si on peut mettre ça, mais tu vois que. Oh putain, donc à pousser au-dessus. Ça va, c'est le petit coup. Enfin, c'est bien arrêté. Côté Roma. Ben, la Roma, c'est une perte dangereuse parce qu'on est chez. On est chez eux en fait. Tu vois. Oh putain, dit la frappe la part de Motipo qui fait son match. Motipo qui fait un match très très bon. Qui est ancien de Benvenuto, je crois. L'ancien de Benvenuto, je crois. Oh putain, de Cristante ce dessus. Et puis de Motipo. Enfin que son bon joueur, cette équipe romaine, pas dangereux parce que tu vois, voilà. Sans dégager par Spelazzola. Oh, ah ouais, d'accord. Pellegrini qui est blessé côté Roma. Pellegrini qui a pris un coup, ouais je crois. Ah, il fait rentrer, il fait rentrer Shaw, il est dangereux lui. Hein. Corner, c'est dégagé. Tête de Smalling dans les bras de Motipo. Ouais je crois. Mais il reste là. Allez, le centre dans les points de Patricio. Dégagé par Smalling.
Il y reste 3 minutes. Allez, c'est bon, les gars. Allez, à 8 ans. 0-0. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Désolé. Ah, c'est bon, les gars. Ça marche. C'est bon, c'est bon. Désolé, c'est pas un bug. Ça marche. C'est bon. J'ai compris. C'est juste du truc qui a bugué. Excusez-moi. Alors, regardez. On a les maillots et tout. Bon, Roma, ils ont combien de tirs? Ils ont 6 tirs, 4 cadrés. 0,66 DJ. 64 possessions, ils sont plus forts que nous la possession. 6 corners, 5 fautes, 90 passes, pas mal du tout. Bah, Roma, ils sont plus forts que nous. Nous, on a 3 tirs, 1 cadré, 0,35 DJ, 36 possessions, 1 corner, 7 fautes, 84 passes juste. Ok, bah, ça va. Allez. On va dire quoi, les gars? On va dire là. Voilà. Ah, lui, il est inquiet, c'est pas grave, on va juste tirer des questions. Et alors, on attaque la deuxième période. Parce que tout à l'heure, on avait attaqué la première mi-temps, on a perdu 1-0. Et là, le jeu a vraiment. C'est pas le jeu qui a bugué, c'est pas le jeu. C'est peut-être le truc bleu qui m'a fait ça. Quand je téléchargeais un truc qui était lourd. Peut-être en moins quand j'ai fini la partie. Ah, y a faute là, y a faute. Y avait faute sur. Sur Sapura. Y avait faute là, il a pas sifflé la faute. Ouais, parce que là, ils ont déjà au moins la Roma. Ils ont perdu Pellegrini qui est blessé, je crois. Non, voilà, c'est ça. Voilà, retour de Ring. Et enfin, que la deux blessures de Ring et Karshkor qui sont blessés. Un Ring est blessé. Un Ring va rentrer en place de Lazovic. Et Karshkor en place de Zenski. Quand même pas le changement, parce que là, ça va pas. Le changement. Ah, il peut pas sortir. Je vais laisser. Alors, on va voir des changements. On va essayer comme ça. Coup franc, la tête de Paredes au-dessus. Début de Motipo. Ça va, tranquille. Là, il va sortir l'autre. Parce qu'il a pas il revient une blessure. Allez, le centre. C'est dégagé par Lorente. Un corner. Il est déjà fatigué dans l'équipe. Avec Flanzi, Sapurara et l'autre sont déjà fatigués. Allez, on va laisser Metz. Allez, le corner dégagé par Indica, dégagé par Paredes. Ça va, je vais faire des changements à l'équipe. Je vais faire des changements, ça va, mec. Ouais, mais je laisse titulaire. Ah, il peut jouer, mon gars. Qui va sortir? Je ne sais pas qui va sortir. Sortir Jordi. Très canon. Sapurara. Donc on va pas jouer à gauche. Lazaro, je laisse côté gauche. Ingasson va rentrer. Lui, il me déçoit. Lui, prêté par le Hertha Berlin. Lakonic qui va rentrer. Allez, on va faire deux, trois changements, les gars. Et lui, j'ai appris un carton. C'est pas possible. Calme-toi. Oh, putain. Tête de Indica. C'est largement au-dessus. Début de Motipo. Engage-toi au moins, s'il te plaît. Merci. Ah, ça va, y a pas de faute. Et bon, autour de Fazio, il va pas venir, on sortira parce qu'il a pris déjà. Il peut jouer 5-15 minutes. On sortira peut-être à la 5-15 minutes parce qu'il pense de faire le changement. Parce que. Puis il va se faire entrer aussi l'Écossais. Ouf. Fendu par Ginter, corner. Il nous reste à sortir latéral droit et peut-être plus bien latéral à gauche aussi. On verra pour les derniers changements. On verra ça. Le Kaku au-dessus. Les buts de Motipo, pour l'instant ça tient côté, ça tient pour l'instant, ça tient. Ça tient pour cette premier match, mais ça tient pour l'instant. Allez. Oh putain, c'est pas le ballon face à Dybala, c'est pas possible. Et voilà, je vous dis qu'on se prend un but de merde, et voilà. Et il fait mal ce but de Paulo Dybala, et ça fait 1-0 pour la Roma. Putain, c'est le problème par Dybala, c'est pas possible, vous tenez sur le butin et on se prend un but. Et voilà, ballon perdu par lui, là, le Brésilien. Putain, c'est pas vrai. Et ouais, laisse jouer, putain. Et voilà, Dybala, toute sa chance. C'est quoi ça? C'est quoi ce mec? Putain, désolé, hein, qui tiquait, je suis désolé. Incroyable de se prendre comme ça. Ça me saoule. Tu te prends comme ça. Ça rend fou, les mecs. Hein. Putain.
Deux contre une grosse équipe de la Roma, hein. Je suis désolé. Hein. Et que des galères, tu vois. Que des galères, j'ai. Là, c'est pas à cause du jeu, c'est à cause du. C'est pas le jeu qui a un problème, c'est à cause du truc du nuage bleu. C'est pour ça que ça me fait un truc. C'est pas si je remets le lève ou je le remets, je sais pas. Attention, c'est au-dessus pour Cristante. Bon, Fazoni, il va sortir. Toi, tu rentres. Toi, tu sors. Lazovic. T'es lui, mon gars. Tu me déçois, mon gars. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Pour l'instant, je vais rien toucher. Je vais rien dire parce que je vais rien dire. Ben, réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Je vais quand même les motiver, putain. Je peux pas les motiver un peu. Je peux pas. Je peux pas les motiver. Je peux pas. Je peux rien faire. Bah mais t'as vu comment ils concentrent le ballon, eux? Ils concentrent la balle, c'est Romain là. T'es sérieux. Bah je crois que je vais. La tactique elle marche très bien, mais je vais prendre une autre tactique qui marche bien. Ah, ça hors-jeu. Hors-jeu pour Abraham. Qui était hors-jeu, ok. Allez. Putain, c'est lui qui. Déjà, il prend un carton, hein, sérieux. Allez. Mais pourquoi il met en corner? Pourquoi il met en corner, Motipo? Putain. Centre autant, il me dit. Ok. Ouf, ça va, c'est au-dessus. Pour Abraham, largement au-dessus. Ça va, ça va. Faut peut-être chercher un point, peut-être faut chercher une solution, peut-être au moins que là. Ah, dommage, c'est quoi ce centre? Oh, putain, ce centre est pas bon. C'est Lazaric qui met la tête, mais il rend le ballon. Oh, la frappe de Lukaku, quelle parade, petit peu. Enfin, qu'il nous sauve, petit peu. C'est un moment de. De Lazaric qui fait la connerie, ben Lazaric qui fait une erreur, mais tu vois qui c'est pas son poste, le poste c'est le milieu gauche que latéral gauche. Dégagé par Gaëtanson, qui joue à droite, à gauche pardon, je passe à droite. Non, à droite c'est Cannon qui joue à droite. Allez. Bon en fait j'ai. Oh le retour, quel retour face à Abraham. Allez. Bah ils ont raison les dirigeants, bah, c'est la Roma, c'est compliqué chez eux. Mais là je crois. Vas-y. Mais pourquoi il rate ta frappe? Comment faut marquer là? Pourquoi tu rates ta frappe? Tiens c'est pas bon, la frappe est pas bonne, je te jure. Tiens c'est le mec il est pied carré. Tiens le mec j'ai fait rentrer, il veut marquer, il a tiré pied carré. Ah dommage, tour de Smalling. Ah vas-y. Mais il a faute en plus, il laisse pas jouer. Il laisse pas jouer l'arbitre. Mais quand on trouve face à Smalling, bien défendu ça. Ah Lazaric, pourquoi tu prends le ballon? C'est pas bon Lazaric, putain. Mais lui aussi, il prend le ballon face à Lukaku. Mais qu'est-ce que c'est cette équipe? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une équipe de peintres! Tiens, il part le ballon, tu rends le ballon? C'est quoi cette équipe? Bon retour. Ah, ça, en fait, qui rate sa frappe à Abraham, c'est largement à côté. Des petits coups à la fesse. S'il marquait, c'est 2-0. Bien sûr. Ah, au-dessus pour l'orienter, au-dessus du petit peu. Faut mal, ça, en fait, c'est très mal, tu vois. Allez, les gars, faut tenir. Que je vous dis tenir. Les gars, il faut attaquer. Les gars, il faut attaquer. Voilà, ah, ça va. Hors-jeu. Hors-jeu pour Paredes. Ok, allez, je vais rien dire pour l'instant. Bon, on va s'équiner, les gars. On va s'équiner 1-0.
Face à la Roma, bah c'est compliqué. Je te dis, c'est compliqué, je te l'ai dit, hein, mon gars. C'est l'autre qui marquait. C'était le match nul. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette relance? Allez! Ah, c'est bon, ouais, c'est bon, on perd 1-0, ouais, c'est bon. Il est content le Special One. Tiens, ça me gonfle. Ça me gonfle, tu vois, tu perds 1-0 face à la Roma, ça me fout. Bah, ils sont plus forts que nous, tu vois, 9 tirs, 2 cadrés, 74 DJ. 111 possessions, bah, plus forts que nous, 3 corners, 6 fautes, 91 passes réussites. Eux, ils ont combien de tirs? Ils ont un cadré, 0 cadré, ça rend fou. Ils en sont 17, m'en parle pas. 29 possessions. Ah, c'est fou. Un corner en soit 82 passes. Ah, ils étaient nuls, mes joueurs sont nuls. M'en fous. Oh, les gars, c'est pas notre jour, les mecs. C'est pas possible. Puis, j'ai pas envie de parler, je vais en entraîner adjoint. Voilà, pas de réponse à ça. Bah, pour l'instant, bah, on reste dernier. 8 points, on revient à 3 points de la Sampdoria. Oh, non, à 2 points de Sampdoria, excusez-moi. De match, ouais, il est content. T'as vu la suite de blessure de Pellegrini dans la coupe? Il me bat, lui. Arrête, dégage, Pecho One. Ah, il est blessé 2-3 semaines, c'est grave. Un adjoint, ouais, Dimas en défaite pour la Lazio. Et la semaine, c'est Olivier Giroud qui joue la semaine du côté de l'AC Milan. Qu'est-ce que je mets du repos là? Ouais, je vais peut-être mettre du repos là. On va mettre peut-être une journée de repos parce qu'on joue combien de jours? 8 jours. Contre la Fiorentina. Je vais tenter un truc pour le prochain match. Ouais, je vais peut-être jouer court. Je vais tenter ça pour le prochain match. Je vais dans la surface. Je vais tenter de jouer dans la surface. Je vais tenter un truc. Contre Bessie, rencontre rapide, c'est bon. Je vais peut-être lancer, il me donne de relancer, je vais lancer court à la main, je vais lancer court à la main, je vais lancer court à la main, je crois. Voilà, c'est court à la main. Et là, je vais attaquer. Gardien comme ça. Voilà, je vais tenter ça pour le prochain match. Face à la Fiorentina. Bah, en fait, on est dernier, hein. On est toujours dernier avec eux. On est à domicile face à la Fiorentina. Moi je fais quelque chose à domicile parce que moins que tout va bien. Voilà, les logos sont bien revenus, mais les logos sont bien revenus, bah ça y est, les trucs sont bien normaux, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Italiano pour la forme de Ginter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a lui? Ah, c'est une Turque, c'est pas un Français, c'est pas un Allemand, c'est une Turque. Ginter, oh, bah, Ginter c'est un. Ah, qui propose là? Nombre de matchs. Je vais mettre combien? 2, 7. Voilà, merci. Allez, parti. Bon, je vais rien toucher. Alors, Atalanta gagné 1-0. Torino 3-1 face à 3-0, excusez-moi, face à Crista Cremonese. Florentina 2-0 face à Empoli. Continue. Ouais. Pour placer Ring, il y a Darzovic, David Cabral, Jean-David Cabral qui peut jouer à ce poste. La semaine, c'est lui, du Torino. Lui, il est pas convoqué avec la Slovaquie. Putain. Il a jamais joué avec moi, lui. On verra ça. Ah, je suis dégoûté de perdre de la Roma. Je suis un peu dégoûté. Bah lui, c'est qui ça? Ah, c'est un gardien 23 ans. Et lui, il est pas mal. Hein. Il est pas. Ouais, il est quatrième gardien lui. Ouais, juste dessous Abelardi, Simone et le Motibo qui est le gardien numéro 1. Vraiment, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme Europe? Ah, il y a des bons joueurs européens, tu vois, il y a des bons joueurs et tout. Bon, on verra pour le rapport. Bah ça c'est. Florentina c'est bien avec Mogovic et Mina. Est-ce que j'ai mis Ojaland? Tu peux jouer avec Ojaland? Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est encore ça.
Encore ce bug, c'est mon gonfle, j'ai enlevé ça, il veut pas. Ah, ah c'est gros le jeu, ah c'est gros le truc. Je peux pas enlever ce truc. Interrompu. Ah ok, je télécharge. Okay. Ah c'est ça qui fait bugger, c'est téléchargement Italie, c'est les maillots. Ok. Je peux pas enlever ça. Ah d'accord. Ouais, c'est peut-être ça qui fait bugger. Attends, je peux pas enlever ça. Et voilà. Voilà, l'équipe. Le jeu qui a bugué, voilà. Le jeu a bugué, voilà. C'est à cause de ça. Ça a bugué, voilà. Ça commence à me gonfler. On peut pas enlever ça. Oh, ce jeu est cassé. Bonbon. Ça me fait couper encore. Tiens, ça rend fou. De merde. Moi que je lève les trucs, hein. Je suis désolé, je vais lever les trucs. Hein. C'est ça que ça fait bugger. Tiens. Je vais tout lever les trucs là. Ah, 22 ça va. 23 on va lever des trucs. Je crois que je vais lever 23, je vais lever des trucs hein, qui me gênent, tu vois. Moi que lever les. Je vais lever que ça, je vais enlever ça. Ça me gonfle. Ça aussi je vais enlever. Voilà. Regardez que ça. Putain. Graphique. S. Ça. Enlever ça. C'est ça qui fait bugger. Putain. Attends, je crois que je vais enlever ça. Origine. Bon, que j'enlève ce truc. Hein. Attends. Fais-tu quoi? Cette merde. Moi que je le lève. Pas le jeu qui a bugué, c'est juste que c'est le truc qui m'enlève le jeu. C'est un énervé. C'est pas 24 j'enlève, c'est le truc que tu m'as dit là. Ça, je crois que j'enlève. Ah, je vais enlever ça. Quel juillet. C'est pas du Microsoft ça. Ça me demande la terre. Ça y est, le jeu il a un problème. C'est pas le jeu, ça vient du de ON Drevin. C'est ça qui fait bugger. C'est ça qui fait bloquer le jeu. Ouais, peut-être. Bon, c'est bon, il est enlevé. Là, c'est bon. Bon, les gars, c'est bon. On va voir si ça marche. Ça re c'est revenu. Bon, attends, c'est bon. S'il n'y a plus le truc, c'est bon. Attends, je vois si je peux installer. Ah ben voilà, c'est mieux. C'est bon. Allez, ça c'est bon. Terminé. Document. Attends, c'est bon. C'est bon comme ça. Ah, c'est mieux. Ok. Ah ben, c'est bon. Ça marche le jeu ou pas? Attends, on va faire. Bon. Ben, le jeu, tu peux venir s'il te plaît. Je t'ai enlevé le truc.
certain que ça arrive parce que je vais pas tout refaire le match, mon gars, je vais pas tout refaire. Attends. Cet ordinateur. Moins que. Comme prévu. Installer le jeu, je pas désinstaller. Je crois que tout à l'heure je vais installer le jeu parce qu'il y a un petit problème avec le jeu, un problème technique. Donc, pas j'ai enlevé le truc. Ah, si j'ai enlevé. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, ça marche. Quoi? Tu peux faire la colonne et le ventilateur ou ça? Je sais pas. La colonne, c'est bon. La colonne? Ouais. Ça? Le petit ou le grand? Ah, c'est bon, je laisse comme ça. Tu peux faire le banc? Ah, je me laisse comme ça, c'est bon. Autrement, je te fais le banc là? Ouais. Je connais ma cheville. Ouais. C'est bon. Attends, je vais recharger un truc. Attends, je fais quelque chose. Tu rends moins chaud. Son musique, je vais enlever. Oh putain. Putain, je vais refaire ça. Allez. Référence. Attends, je vais faire ça. Interface. Voilà, ça je vais enlever. Comme T'es vu ça. comme ça? Tu le sens ou pas? Tu le sens sur toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ou je mets à deux? Ah, deux, mets à deux. Ah, ça je relance. Là, c'est bon? Ouais. Tiens, ça sent mieux. Des problèmes j'ai bah, le truc que j'ai enlevé C'est bon là? ouais je remettrai après le truc je remettrai après le truc là je vais peut-être remettre le truc après je vais remettre le bah, je le mets hein. Là quand j'ai fini je lève avec le truc gars c'est bon hein. Voilà bon il a joué combien de matchs il a joué ah il a joué 4,5 7,8 il a marqué son la saison c'est bien lui il veut combien alors lui il veut Mario Milan qu'est-ce qu'il y a Milan si tu veux mon contrat bah tu verras pour ton contrat mec tu verras ton contrat on verra ton contrat lui aussi ben, il fonctionne son contrat ok bah toi aussi tu vas te répondre aussi ton contrat on verra. Il réfléchit par leur contrat. Allez, on va avancer un peu. Bah, ça marche. Putain, ça va être le jeu. T'as vu comment il va vite? Chasse 5%. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Son contrat pourrait. Fin de son contrat terminé. On verra pour lui. Ah, il signe lui. C'est bien. On va C'est essayer bien là, d'être parce qu'on est chercheur. là. T'es un problème ou c'est bien? Ah, ça va. Manager la bataille du camp de Milan. Ok. Allez, c'est bon. Ah, ça va plus vite là. Quand tu mets le, tu mets les dessins, ça va plus vite que ça. Allez. Allez. Ok. On avance. Bah, les jours 23 février, tu vois, c'est pas mal. Alors, on a quoi là? Attends, j'ai pas vu les ciblés. Ah, il y a des beaux joueurs là. Beaux joueurs pour l'équipe, c'est bien. Continuez à chercher, ok. Ah, il y a des beaux joueurs là. Il y a lui qui est trop cher. Ah, lui, il chire lui. S'entraide très bien. On acquise très bien. Lui, très bon entraînement. Bah, lui, il est bon entraînement. Bah, bon, je suis désolé, il s'entraîne bien. Jordi, il est où? Jordi. Très bon entraînement. Ah, il est énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours énervé aujourd'hui. Hein. Bruno. Bruno très bon. Ben, Bruno très bon. Albert Bellardi. Il déçoit lui. Hein. Il a 33 ans mais il joue jamais. Ensuite, lui. Lui, il joue jamais. Il a 29 ans. Simonet. Et lui, on a pris une surprise. Il a dit Tchèque à la plus au LOSC. Lui, on va peut-être le.
J'ai joué combien de matchs Yadichi avec l'équipe USA? On va peut-être le prêter, on va peut-être poser en gentil hiver, qu'est-ce qu'il y a? Chercher à vendre, chercher le prêter. Ouais. Je comprends que passer le client va plus tard. Peut-être l'envoyer en prêt, peut-être. Je donne un prêt. Donc là, aux autres clubs, on va mettre 0 balles. On va mettre. Attends, je vois avec Simuji. Faites appel vétérinaire, je vais demander de gérer, discuter. Ouais, merci d'entendre. Proposer en prêt, je crois que je vais proposer en prêt parce que Yaichi, je veux pas que moi, il y a 27 ans, il vaut entre 3 et 4 millions. Ouais. C'était devant l'agent pour si on va l'aider. Un agent pour aider à trouver un accord. Ouais, bien sûr. Alors, le manager veut venir d'accord d'abord avec Yadiche. Ok, s'il est bon, Yadiche, c'est peut-être pas mal. C'est une gros coup qu'on a pris à la place des joueurs, mais on a pris au moins deux. On les prend pour le mois de juillet, mais on a fait un mauvais choix. À sa progresse pour Fasco Zanetti, notre latéral droit. Lui, il progresse. Notre joueur, il progresse. Mais il a fait une voice note, 35, je suis désolé pour toi. Bah lui il s'entend bien mais il s'entraîne mal en entraînement. Peut-être c'est pas parce que tu vois que. Moi je préfère lever le truc et après on verra quelques trucs sur le 22, 23, on verra ça, on verra quelques trucs. Un peu mieux. Ok, bon l'équipe, bah, le match de 18, c'est bien. Il perd 3-0 l'U20, putain. Lui il est blessé, sérieux lui? 7 semaines, 8 semaines, putain! Incroyable! C'est mieux de fermer, c'est le problème. Tu viens d'accord comme ça? C'est mieux, il y a le soleil. Soleil de merde. Chier ce soleil, hein! Attends, je suis pas déjà au bout, attends. C'est pas ça que je voulais faire. Porter le fichier, non, c'est pas ça que je veux. Putain, je veux les formations. Bon, oh. Modifier pour voilà. Formation adversaire, ok. Ajouter là, je vais faire ça. Voilà, là, je vais faire ça. Voilà, peu mieux comme ça. Allez, c'est parti. Lecce Sassuolo, ok. Parti 1-0 pour Sassuolo qui gagne, qui passe 14e. Lecce qui reste toujours 17e. Ah, il pose quoi là? Il propose des préparateurs. Qu'est-ce qu'il propose? Qui est meilleur? Non, lui. Il est à 18. 52 ans. Ouais. Il y a Vanessa, 59 ans. Elle est pas bonne, Vanessa. Elle est pas mal, mais elle est plus que. Le Belge, il a 18 en physique, c'est pas mal. Morera, 14, c'est pas bon. Lui il a combien? T'es 18 puis hein? 57 ans, je crois que prendre le badge. Le badge est intéressant, le petit Mario. Mario préparateur physique, peut-être monté à 18, si tu veux venir toi Mario. Voilà, il propose lui, je vais pas le proposer. Il pose des changements. Lazarevic à la place de Rogue qui est baissé. Voilà, on va faire des changements. On n'est pas favori pour ce match, on a un domicile face à la Florentina. Ah qu'est-ce qu'il y a Pazzani, qu'est-ce qu'il y a? Porta de la Zverone, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Pazzani, pour ce genre d'entraîneur manager, pourrait toujours la personne me placer vers travers des bons résultats lundi face à parfaitement de tirer des supporters. Pour y engager un grand fan manager, pourrait tant de beaucoup positif, il faut rester comme ça. Tout compte d'abord d'attendre les joueurs pour se maintenir pour une saison très compliquée, tu vois, il dit ça. Souvenir pour leur rester encourageant maximal pour eux sous la souvenir, ok. L'entraîneur manager pourrait pouvoir les sauver. Eh bien, merci, Pazzini, merci. Hyper difficile, je sais, c'est hyper difficile, je sais, le monsieur. Alors, ça. Il a raison de dire ça, Pazzini. Pazzini, il a bien raison de dire ça. Ben, je dis, il a raison de dire ça.
Ah, il est positif, oui. Ouais, t'as raison de dire ça. Ouais, belle équipe. Ouais. Ouais, Neptar, vous avez vu le truc rouge? Il n'est pas en forme, hein. Faut se bouger, hein. Et ouais, il faut se bouger un petit peu, il faut se bouger, les mecs, il faut se bouger un peu. Ouais, t'as raison de dire ça. T'as lui, Porras, lui. Hein. Porras, Cyril. Et en fait, c'est lui, il est blessé encore une fois. Putain, 2 semaines, lui. Tour de la cheville, c'est dur. Incroyable, les mecs. Oh. Putain, c'est pas vrai. Incroyable. Putain. Ah, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Ok. Il a joué le match, lui. Putain, 4-10, 6-3. Ok. Non, et Milan qui reste à 0-0 contre l'Atalanta. Satan 2-0 face à Banzal. Bien de carton Spezia. 4-1. Ouais, exactement. À défaut, le jeu de la semaine. Ah, il pose un match nul face à la Fiorentina. Donc c'est un petit match nul. Ça progresse pour lui, c'est bien. Ah, je vais coucher. Ah, il revient Milan qui reprend l'entraînement. C'est bien, on va lui donner une petite entraînement. Et lui, il s'entraîne mal à 5,80. On va quand même l'avertir. Le mec a 33 ans. Ok. T'es brillant, ah, des bons joueurs sont pas intéressés, tu vois. Lui, il est apte de jouer 45 minutes, lui, toujours blessé. C'est parti, on joue à 19h. Poste qui là? Magani, ah, Magani, c'est quoi ça? 28 ans, ouais, vas-y, on le met titulaire, hein. Magani qui remplacera. Ah, il est meilleur que. Il est meilleur que. Ah, on va mettre titulaire, vas-y, on va mettre. Titulaire, mettre lui, on a sa chance. Physique, l'axe à droite, c'est bon, on tente ça. Ouais, allez, c'est parti. On va pas contrer, on va juste jouer en contre cette équipe. On est chez nous. Joueur, mauvais pied. Les coups pieds arrêtés. Ouais, avec PSD, il faut changer un peu les coups pieds arrêtés là. Second poteau, attendez ça. Voilà. C'est quoi? Rentrant, sortant que je vais mettre. Sortant. C'est rentrant ça. Ouais, je vais tenter rentrant, sortant, je verrai plus tard. Allez, c'est parti. Là, je joue comment son ballon. Pressing, il est dans l'axe de côté. Allez, c'est parti, on y va. On va attaquer le dernier match face à la Fiorentina. On rappelle quand il passe de la Roma 1-0. Mais quand même, voilà. Ils sont un peu indoutés, les joueurs sont indoutés. Putain. Ouais, c'est pas grave, il va revenir, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on est à domicile. Pour l'instant, ils sont une défaite face à la Roma. Bah, on va jouer face à la Roma. On rappelle qu'il y avait un petit bug tout à l'heure sur le problème du truc. Moi, tout à l'heure, ils se sont des victoires, putain. Attention à eux. Ils ont l'ancienne de Lille, Chili, Cancelliloa qui fait du bien, tu vois. On est toujours dernier. Eux sont 10e, attention. Ça rigole pas cette équipe. Ça rigole pas. Allez, on va peut-être rien dire. On va rien dire. On va pas nous demander de plus. On va rien dire pour l'instant. On va rien dire. On va juste rien dire. Parce que si tu demandes de plus, ils vont se fatiguer. Moi, je reste comme ça. Après, je vais rien dire. Hein. Enfin, je dis demander plus, je vais rien dire. Voilà, c'est bien. Pour l'instant, ça tient, mais pour l'instant, on est chez nous. C'est pour ça qu'on est domicile. Ah bon, bah voilà, le Mikaël qui est blessé. Mikaël qui est déjà blessé. Et la faute sur Chilik. Faute, et Mikaël qui a pris un coup déjà à la deuxième minute. Allez, le coup franc dégagé par Mina. Ah ça, c'est pas grave.
Le centre, et voilà, premier corner pour nous. Après que lui, le 90, ça va, il va peut-être jouer, mais on verra s'il est blessé ou pas. On va voir ça. Corner dégagé par Mina. C'est dégagé par Mokovic. Oh putain, quand on est parti du gardien, sérieux, par Taragoni, le gardien qu'on connaît de la carrière, on le connaît bien. D'ailleurs, je la connais bien. Et encore un corner, et voilà, corner pour eux encore, c'est un corner, je te jure. Corner dégagé par Sapurara. La frappe de Gonzalez contrée. Ce sera un corner, nouveau corner pour eux. Sapurara qui est passé par la Fantine, passé par son ancien club, je crois. La tête de Chilic au-dessus. Les buts de Motipo. Ah putain, on se passe le duel, Sapurara. Oh putain. De Chilic au-dessus. Début de Motipo. Non, je crois que c'est ça. Bien joué ça. Allez, le centre, c'est dégagé par, par Mina. Allez, les gars, s'il vous plaît. Tata, quand j'aurai fini, je lèverai quelques trucs sur. Quand j'ai fini, je lèverai quelques trucs. Qui gênait comme les logos, j'ai que les logos et les photos, mais je lève les trucs qui dépassent. Putain, la frappe de Kouamé, quelle parade de Motipo. Ce sera un corner, déjà troisième corner pour eux, et nous on a qu'un seul corner. Putain, oh, c'est bien défendu. Putain, encore un quatrième corner pour eux, pas possible. Quatre corners, ils sont quatre corners déjà. Putain. Ouais, c'est à côté de Kovic, à côté des buts de Motipo. Ouais, c'est bon, je me suis arrêté. Ah, vas-y, pourquoi tu pas le ballon, toi? C'est pas possible. T'es le mec qui est pas bon, il perd le ballon. C'est quoi ça? T'es déjà 5ème corner. Déjà 5 corners, sérieux. Pas possible. Vendu par Ginter. La frappe, on s'est dégagé par Motipo qui fait l'arrêt qu'il faut. Motipo, quel arrêt autour de Fazani, carte vengée. Ah, ici, hein. Ah, Bora qui est blessé, d'accord. D'accord, blessé, blessure. Ça, ah, puis c'est le ballon, t'es sérieux. Allez, attention, Motipo. Oh là là, le but. Oh là 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 là. Putain, l'erreur de Motipo. On se prend une par Ciotti. 1-0 pour la Fantina. Ah là là, l'erreur de Motipo qui fait sa connerie. Voilà, là, il nous coûte cher. Putain. Ah, toi, t'as vu? Oh, c'est pas vrai, Motipo. Putain, putain, c'est quoi? Oh, le mec, il fait n'importe quoi, le mec. Sérieux. Putain, c'est lui qui fait la connerie. Hein. Ah, ben, pas possible. Tu perds 2-0. Bien, bien, tu veux bien. Putain, on reste toujours dernier. C'est pas possible. Ouah, vas-y, lui il est encore blessé, il s'est blessé tout à l'heure, il est encore blessé, c'est quoi ça? Ah, c'est pas possible. Le mec est fragile. Ah, va peut-être démotiver un peu, parce qu'on va motiver les mecs. Elle motive. Allez les gars. Oh putain, lui aussi il est blessé. Oh là là, là je suis blessé, c'est pas possible.
va rentrer, tu vas rentrer toi. Lui s'il va sortir. Bah Douda tu vas rentrer. Allez, deux changements. Deux changements d'un coup. Enfin deux changements. Allez, on fait deux changements les gars. Bon, elle a eu deux blessures les mecs. Deux blessures, un à droite et un du côté milieu de terrain. Bon, quel retour de Ginter, quatre de danger, bien défendu ça. Bah ça va, mais tu crois que. Contre la Roma, on a cassé un but. Contre la Fantine, on a cassé. On a cassé deux buts là. Deux buts, c'est beaucoup. Ah, j'ai démotivé direct parce que je vais essayer de bouger. Je vais essayer de bouger là. Putain. Motivé, c'est là que tu les motives un peu pour les bouger. Mais si tu concentres, tu mets une concentration, tu vois. Putain, c'est petit. Ah, ça va, c'est au-dessus. C'est bourrac. Ah, au-dessus, but, motipo. Bah on va peut-être se faire envoyer par ce club si on veut se faire envoyer. Il ne reste plus que deux clubs, il reste Milan, il reste l'Inter. Bien joué ça. Putain, il est nul l'attaquant, il est trop nul. Moi j'ai paumé sur ce club, il est paumé ce club. Ouf ça va ce Gonzalez, but de Motibou. Il reste 3 minutes de avec deux blessures. Les deux joueurs blessés, c'est peut-être ça que j'arrive pas à jouer. Ouais, je crois. Ça marche pas cette tactique, je vais partir sur une tactique redoutable. Parce qu'un 4-2-3 ça marche bien, mais on va rester comme ça. Pour l'instant, ça enchaîne. Vas-y, centre. Le centre s'est dégagé par Nankovic. Mais c'est quoi cette. C'est quoi cette tête là? Mais pas mal ta tête. 1-0 pour la Fantina. On voit les stats. Bon, 3 tirs de cadré. Putain, 15-0 DJ. Putain. 40 de possession, 1 corner, 2 fautes, 86 pas suicide. Eux, ils ont 9 tirs de cadré. Putain, 0,85 DJ. 15 de possession, 5 corner, 4 fautes et 87 passes. Putain. Bon, les gars, je vais tenter un truc. Je vais jouer pour court. Je vais tenter un truc. Pour ce match, je vais faire un centre. Ah, je vais rester comme ça. On va peut-être. Ah, je vais peut-être rester comme ça. Ouais, je joue court. Hein. Je joue court parce qu'on est, on est pas ouf. Ah, les gars, faut se bouger un peu. On va juste les. Non, je vais juste retoucher. Vas-y, au centre, dégagé par Chilik. Sans une touche. Tiens, mais il donne pas la touche. Ah, c'est rotant. Si j'avais trouvé une solution, bah, ça allait être pas mal. Bah, si j'y demandais plus, ça peut enchaîner. Ouf, oh, défendu par Ginter, corner. Mais défendu ça. Là, il s'appelle. C'est un nom turc, Ginter. C'est un nom allemand en fait. C'est un allemand turc. Capté par Motibo. Bah il me dit déjà il me pose un match nu mais là ça enchaîne pas tu vois. Ouf, on doit Goura contrer par le mur, cette frappe de Goura, ça a été contré par le mur. Il a battu ça. Mais il parle long, c'est pas possible, il récupère, il parle long. C'est quoi ça? Bien battu, c'est bien battu. Il a défendu ça, qui dégage, dégage, moi ça, voilà bien. Ça c'est bien joué. Mais, allez, récupère. Voilà, bien battu, c'est bien. T'es secours sur lui. Ben voilà, mais ils sont agressifs, ils sont agressifs, ils sont vraiment agressifs, tu vois. Il est récupéré par Mangani, bien joué. Bon, Mangani qui remplace notre joueur blessé, le Polonais. Qui est blessé, je crois. De toute façon, je joue court parce qu'on joue beaucoup court parce que passe courte c'est pas assez compliqué tu vois. Là je joue direct, voilà, je joue bien là-bas voilà. Ah
Allez, tranquille, vas-y, il faut chercher devant les mecs. Là, on peut se laisser en arrière parce qu'ils sont redoutables, ils sont en piscine. Le centre, ah, c'est dégagé par Mina. C'est un bon centre ça, bien joué, le centre a été bon. Bon, retour de Gaëtan, bien. Faire des changements pour l'instant, ça marche pas les mecs. Je vais partir sur lui, la sortir je crois. Il va rentrer. Lui il me déçoit, Jordi. Bon, série c'est ton bonheur, série qui va rentrer je crois. Série qui va rentrer à place du français, de l'espagnol qui va sortir. Putain, il se bat la Zoe, c'est bien. Il a battu Lazaric, c'est bien. Vas-y. Il est hors jeu, et arrête d'être hors jeu, putain, arrête d'être hors jeu. Putain, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah, bien battu, si bien. Oh putain, il est blessé. Sérieux, lui, il est toujours blessé, ce mec, quoi. Putain, il est fragile. Putain. Le mec est fragile, ça rend fou. Ça pour Rara. Non, je vais laisser. Non, je vais laisser comme ça parce qu'on a fait tous les changements. On va laisser pour la blessure. Si je fais un changement supplémentaire, c'est pas bon. Hors jeu. Pour Chilik, il est hors jeu. Ça va. Vas-y, je vais sortir. Je vais faire un changement. Vas-y, je vais sortir. Je vais rentrer Kouz. Kouz va rentrer en jeu. Kouz qui va rentrer pour le changement. Et ça pourra. Ah, c'est là, je vais. Okay. Allez, je vais faire la chambre tout de suite. Kouz qui peut me chercher la victoire, peut-être Kouz. Pour chercher peut-être un match nul, Kouz qui marque des points, puis c'est lui qui va enchaîner. Ah, je vais peut-être demander d'encourager. Hein. Autour de Lazaric qui fait un bon match. Lazaric, c'est pas intéressant. Lazaric qui a déjà pris un carton déjà. Ah, ça c'est les défendus, ça sera un corner. Là, pour l'instant c'est compliqué, cette carrière est très compliquée parce que hier avec le Bayern j'ai eu un petit bug, je sais pas de quoi. M'enlever des trucs, peut-être m'enlever des trucs. Ouf, pas défendu ça. Ah, bon retour ça. Quand j'avais joué mardi dernier, c'était bien passé. Et après quand t'as fait la première semaine, c'était dur. Ouf. T'inquiète pas mon petit pot. Ouais, mais ce cas-là était compliqué. La semaine dernière, c'était bien. J'ai enchaîné des victoires, c'était bien. Et après, cette semaine, c'est compliqué. T'enchaînes des matchs, c'est compliqué. Putain, c'est un corner. Putain, c'est pas vrai, il veut gagner chercher les 3 points. Là. C'est pas vrai, si on n'arrive pas à gagner le match, ça veut dire quand je fais total deux défaites de plus. Ça va sur dessus. Le but de mon typo. Ah, c'est pas mes joueurs, c'est juste moi ou c'est juste moi ou c'est peut-être les joueurs qui sont pas intéressants parce que les joueurs sont pas bien en place. Je crois que mon typo qui a des points, c'est bien. Peut-être que les entraîneurs, ben, ça va pas parce que le Pazzini a bien raison de dire ça. Parce que Pazzini, si on gagne pas ce match, ça va peut-être, on va peut-être sauter. Parce que quand tu trouves un coach bon. Oh putain, c'est Douda blessé. Oh non, Douda qui a pris le coup. Oh non. Oh, c'est pas possible. Dans les changements, il s'est blessé. C'est quoi ça? Encore une blessure en chatte. Oh, c'est pas possible. Encore une blessure. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, les gars. Sérieux. On a eu trois blessures. Trois blessures le match. Trois blessures. Non, quatre blessures, excuse-moi. C'est pas trois blessures, c'est quatre blessures. Ouais, on a eu quatre blessures, je crois. Non, la blessure de l'attaquant aussi qui est blessé. Allez, Kouz, tonneur. Eh non, elle a un jeu. Toujours jeu, celui-là. Allez, 6 minutes.
Putain, je vais quand même encourager à nouveau. Ben, on encourage. Je peux pas encourager là. Ah, je peux pas encourager. Ouf, ça va, pécaté par Botipo. Je sais pas si c'est qui 35, je connais pas. Ouais, ouais, mais c'est une défaite les mecs. Hein. Ouais, mais on est à 10, c'est parce qu'on a pris. On est à 10. Il reste 2 minutes. Au moins chaîne espoir, mais ça va être compliqué, je crois. Décaté par mon typo, c'est bien. Allez, moi je tiens un moment devant les mecs. Oh, oh là là, c'est catastrophique cette carrière. Elle est catastrophique. Cette carrière elle est catastrophique, les gars. Ils sont deux défaites déjà. Au bout de Lazaric. Et voilà, les gars, c'est une défaite. Deuxième défaite de la saison. On perd 1-0. Face à la Fantina, on perd 1-0. Bah, on est ridicule, les gars. On est ridicule. On va attaquer la. Ben déjà, il n'y a pas les maillots de joueurs. Voilà. Bon, on a. Regardez la surprise. On a 0 tir, 0 carré. Pour rien, moi. 41 possessions. Putain. On a aucun corner. Putain, sérieux. 6 fautes. Putain. Ça, c'est possession. Pas suicide, c'est ça. Ma carte, c'est pas suicide. Eux, les gars, ils ont combien de tirs? 4 tirs de carré. Putain. 1,37 DJ. 5 à 9 possessions, 4 corners, 3 fautes, 90 passes. Mais les gars, ils sont nuls mes joueurs. Ils sont trop nuls. Je suis désolé. Oh les gars, ils sont nuls les joueurs. Ils sont trop nuls. Vas-y, je claque la porte, je m'en fous. Putain. Putain, on reste Naples qui gagne 2-0 à Empoli. Lazio 4-2 face à Sampdoria. Pour l'instant, ils ont perdu. Voilà. Et on reste toujours à 3 points de la Sampdoria. Voilà. Et on reste toujours dernier. Ça rend fou les mecs. Ça rend fou. Putain, c'est ridicule. Oh, Douda blessé. 4 à 6 semaines. Putain, lui, c'est coup dur pour lui. Lui aussi. Oh putain, le coup dur. Dani Flahi blessé. 4, 5 à 6 semaines. Oh là 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 là, les blessures qui enchaînent. Ah, c'est pas vrai. Lui, combien? Lui aussi, il est blessé. 8 à 2 semaines. Ok, lui. Oh putain, lui aussi. 5 à 9 jours. Putain, et regardez. Regardez-moi ça. 19 matchs sans victoire. Putain. C'est dégoûté ça. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On change ou pas? Ouais, on va peut-être changer parce que ça marche pas. Je vais peut-être la changer ça. Je vais enlever. Je vais partir sur une tactique. On va partir sur le GGN Press quoi. Ouais, attaque flou, c'est pas mal. Attends, je vais voir si on peut trouver. Alors, attaque flou, c'est pas intéressant. Je crois que je vais partir sur la. Voilà, ça c'est pas intéressant, attaque flou, c'est pas bon. Bah en fait, je vais vous montrer la tactique du calendrier. Regardez. On est sur deux défaites, on est sur trois défaites. Faut changer de tactique, là, faut changer parce que là ça va pas. On va la modifier. On va partir sur GGM Press, quoi. On va partir sur ça. Ouais, je vais partir sur un 4-2-4. Hein. Ouais, on part sur un 4-2-4, les gars. C'est pas intéressant. Ouais, 4-2. Ah, mais il faut que je joue en 4-2-3. Hein. Il me pose de jouer en 4-2-3. Il a raison de dire ça, les adjoints. Attendez, je vais faire modifier. Ouais, je vais partir comme ça. Je joue 4-2-3. Ouais, je vais partir sur un 4-2-3. Ouais, c'est un peu mieux. En fait, les changements tactiques. Je crois que lui, il va rester comme ça. Je vais sauver à cette partie-là. Je vais la sauvegarder. Comme ça. On va faire ça. Léger. Je tire un peu. Et ouais. La ligue de défaite. Hein. C'est compliqué cette carrière, elle est compliquée et tout. Je vais montrer le du club. On est combien du club? On n'a pas les maillots. On n'a pas les maillots des stéréos. On n'a pas les maillots. On n'a pas les maillots. Comment je fais pour trouver les maillots là? On n'a pas les maillots extérieurs? Comment ça se fait que j'ai pas les maillots là? Attendez. Attendez les gars, je vais réinstaller un truc. C'est ça que ça marche pas. On n'a pas les maillots les gars, j'ai pas les maillots. Putain, attendez. Je vais réinstaller, attendez, je reviens les gars, je vais juste installer un truc. Excusez-moi les gars. Je
Je crois que j'ai supprimé ça, putain, je suis un bâtard. Je vais télécharger, attendez. Je supprimé comment? Je sais pas pourquoi je l'ai supprimé ce truc. En fait, il faut que je le télécharge parce que je sais pas comment je vais faire. Hein. Ouais, mais ce jeu il a bugué. Quand je bug ça, le jeu il bug. Hein. Chargement. Chargement. Vas-y. Télécharger. Ouais, je vais peut-être lever des trucs après. Attendez. Ouais, je vais peut-être faire un truc avant de commencer. Je vais finir ça. Je vais avancer un peu. On va avancer un peu ce truc. On n'a pas les maillots. On n'a pas les maillots de joueurs. Tu vois, on n'a pas les maillots de autres équipes. Ah, Bologne gagne Inter 2-1. Ouais. Ah, l'adjoint qui est pour Schmidt. Ciotti, pardon. La blessure, c'est 7 blessures. On a 7 blessures. Hein. C'est beaucoup de blessures, putain. Les blessures enchaînent. Hein. Putain. On est comment côté volume de la semaine? Pour l'instant, les dirigeants, on est en C plus côté dirigeant. Et les supporters sont déçus. On est en C, en C moins. Côté supporter. Ouais. Soutien nos attentes. Qu'est-ce qui me dit là? Réunion soutenir pour le. Ah, c'est pour les attentes. Ouais, je vais y répondre. Hein. Ouais. Ouais, ils ont pas de problème. Ça y est, ils se motivent. Entraînement. Tac, tac, tac. Faut que je mette Aditi dans le groupe. Hein. On peut changer quelque chose. Hein. Attendez, je vais faire un truc, les gars. Je vais peut-être venir des joueurs. Attends, je vais peut-être faire monter des jeunes. Attends, je vais tenter un truc. About Jaland, il a joué un match. Attends, je vais peut-être le faire monter dans l'équipe 1. Ouais. Attends, je vais faire monter Aditi dans l'équipe 1. Attends, je vais pouvoir aller sur changer quelque chose. Effectif. C'est dans l'effectif. Est-ce que je peux enlever quelque chose? Automatique. Sélectionner la sélection. Allez la sélection. Sélectionner. Est-ce que c'est bon là? Tout convoqué là. Tous les gens sont convoqués là. Lazaric, c'est convoqué. Agena. Ouais, Lazaric n'est pas convoqué. Ah, j'ai combien de convoqués? Ah, j'ai pas de. J'ai l'air de convoquer ou pas? Attends, je vois, sont convoqués. Attendez. Ah. Ouais, mais. On verra. Ouais. Peut-être, ouais, toutes les blessures qu'on a. 3 à 6 semaines. 5 à 10 jours. 4 à 9 jours. 7 à 2 semaines. 2 à 4 semaines. 3 à 7 jours. 8 à, 8 à 10 jours. Oh, les blessures sont. Les blessures sont chères. Il vaut combien, lui? 18. Et il va à Saint-Tron. Il joue comment, mon préparateur? 4-2-3-1. 4-2-3. Bah, je vais retirer lui. 4-4-2. 13-13. Ah, c'est un garde. Je vais retirer. Bah, lui, il est meilleur que lui. Je crois que je vais garder. Bah, il a 4-4-3. 4-4-2. Mon préparateur, il a 44 ans. Bah, il est plutôt. Je vais voir, il est meilleur que qui? Il est meilleur que qui, lui? 18-14-15. Je vais retirer. Je vais pas peut-être le belge. Je vais retirer le préparateur physique parce qu'il est. Il y a combien Panica là? Ah, il est pas bon. Il est préparateur, il fait entraîneur adjoint. Je retire, je prends un badge. Voilà. Un peu mieux comme ça. Voilà, l'adjoint qui. C'est l'adjoint qui s'est verrouillé. Préparateur, c'est lui qui va signer. Mario. Voilà. Quoi comme préparateur j'ai moi? Ah, moi j'ai l'allemand moi. Moi j'ai l'entraîneur adjoint, j'ai lui. J'ai lui entraîneur adjoint. J'ai Michael Fladep. Il fait ça en allemand, j'ai pris un adjoint déjà. Parce que l'adjoint il fait tout, il fait un défense à 4-4-2, mais je vais rester comme ça. Si on part sur une tactique intéressante, ça veut dire quoi? Oh, Cremonese 2-0 face à Roma. La Roma ils ont perdu. Juventus gagne 2-0 face au derby de Turin. Face au Torino. Ouais, pour ça c'est compliqué. Ouais, Brahim joue la semaine.
Ouais, ça y est, en mars 2023, ça y est les gars, on est en mars, ça y est. Lazaric et Milan qui vont partir libre, je sais pas si je vais les vendre, c'est le prochain mercato. 2023, peut-être les vendre. Bah, on verra si je peux les vendre. Je vais proposer un. Non, lui, on va attendre un peu s'il prend avec moi. C'est ce qu'il m'a déjà dit. En fait, on va voir s'il propose un contrat, mais on va voir. S'il pas partir, c'est on va les vendre. Oh putain, lui aussi, il est blessé. Il est grippé, lui. C'est pas possible. Toujours grippé, lui. 4 à 10 jours, on va mettre à domicile. Hein. 9 à 10 jours, on va mettre à domicile. Il est grippé. Avec Ojaland blessé entre 1 et 3 jours. C'est pas grave. C'est pas eux, on est en crise les mecs. Hein. Les gars, on est en crise. Hein. Putain, les supporters sont déçus. Ouais, c'est marqué. Les dirigeants annoncés, tu vois. Version du club, les dirigeants pourraient serait de cadre de leur version du club. Ça va. Match, c'est bon. Les transferts, c'est bon. Heureux. Ouais, c'est marqué. Écoutez, eux. Les dirigeants sont un peu déçus de Vestiaire de manquer de soutien après l'effectif. Et les supporters, ouais, comment ils sont les supporters? En C moins, putain. Les supporters sont doutés de l'histoire de prochain. Ah, ça j'ai compris. Match, les supporters pourraient voir l'équipe pour répondre sur le terrain. Ben, voilà. Et ouais. Les supporters sont en petit transfert. Allez, c'est quoi ton point? Ils vont jouer en tactique. Les supporters tactiques. Ils sont heureux de poser un 4-2-3 milieu droit. L'argent pourri dernier. Pourrait être de pressing, faut jouer au pressing, faut jouer. Ah ouais, il demande de jouer au pressing, là je vais changer un peu quelque chose. Je vais changer le pressing, me dit le dirigeant. Ah c'est que je vais faire un petit pressing, là, je vous commande. On va passer dans l'axe, je vais changer de quelque chose, je vais jouer dans l'axe. Je vais dans l'axe, je vais tenter de jouer quelque chose dans l'axe, je vais jouer dans l'axe, je vais changer de l'erreur, si je joue pas bon, je joue dans l'axe, je vais changer quelque chose. Là je vais engager mes presses parce que c'est une tactique que tu joues en proto de la, pour jouer en passe, tu vois. Pour ça. Regarde, c'est marqué. Le leader, c'est Carboni, mais il est blessé. Lui, c'est le leader maintenant. Lazaric. Oh, ça, c'est la fille, mais c'est trop cher. Il a joué 6-7. Il a joué 90 minutes qu'on l'a pété. Ouais, mais voilà. Notre gardien qui passe sa formation, c'est bien. Lui aussi, préparateur. Entraîneur adjoint, c'est bon. Notre adjoint. C'est quoi ça? Passer une formation. Ah, il est bon potentiel que. Ah, il est potentiel que lui, David. Il est meilleur que lui, d'accord. Il est meilleur que lui, Cabral. Ouais. Lui est meilleur que Sapourara. Et Ginter, on va le critiquer parce qu'il est pas bon l'entraînement. Ginter, je suis désolé pour toi, tu t'entraînes mal. Hein. Ouais. Peut-être enchaîner quelque chose, je sais pas comment enchaîner. Ouais, je crois. Bon, allez. Bon, les gars, c'est parti. Il pose des bons joueurs là, putain. Spezia. Ah, c'est pas ça. Qui me propose là? 37 ans, nouvelle tactique, hein, c'est des performances. Il pose des performances. Hein. Qui s'y propose? Bien, c'est que. Il n'est pas intéressant. Il a 13, lui. Ouais. Là, du scrutement, il a 13. Lui, il a combien? 13. Bah, je vais poser qui est le meilleur entre Massimo Kadouna et lui il est pas. Ah il a 16 à Massimo, pas mal 16, il a combien lui? Ah je vais proposer Massimo. Massimo a des performances, on va mettre à 12. Je propose un contrat. Et Matt, lui il est pas mal, je vais proposer l'Argentin. Je pose des pépites, je vais poser lui en scoutement. Il est intéressant lui. Vu qu'il a les cheveux longs. Et post-kill, c'est le diplôme de staff pour monter le niveau. On vient toucher. Donc voilà. Ah, Canon qui passe sa place, ok. Ah, on peut faire rester à Zéron. David Cabral qui peut rester au club. Voilà, t'as compris. Tu restes au club. On va peut-être le faire monter lui. La 6-25, c'est très mal, je sais. Oh non, c'est pas possible. Lazarich blessé. Encore rhume. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe les gars? On a toujours des malades. Ouais, toutes les blessures qu'on a. Toutes les blessures qu'on a. Oh, je suis dégoûté. Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Ah, il peut faire jouer en 4-4-2, me dit les dirigeants.
Vas-y, je vais sortir. Hein. Ouais, je... ah, il aurait pu faire jouer en 4-4-2, t'avais raison, je vais jouer en 4-4-2. Vas-y, je vais changer. Ouais, il faut que je joue en 4-4-2, mais il a raison de dire ça l'adjoint, il faut que je joue en 4-4-2 qu'en 5-2-3. Bah les gars, je vais tenter 4-4-2, vas-y, je vais changer. Merde, pitié, merde. Cyril. Même mal, mec. C'est pour toi, Cyril. Ouais, je peux regarder, je vais convaincre son supporter parce que c'est pour ça que je reste en 4-2-3 parce que. C'est pour ça que je reste en 4-2-3 parce que. Il faut que je reste comme ça, j'ai les supporters, il faut que je reste comme ça. Eux, ils peuvent se jouer en 4-4-2. 4-4-2, c'est. On verra pour le prochain match. Ils peuvent jouer en 4-4-2, mais j'ai les dirigeants. Il y a un partout entre Napoli et la Lazio, un but partout. Ouais, peut-être changer Jean Prince, si ça marche pas, on part sur un 4-4-2. Tac. Voilà. Bon, qui se propose comme compo contre. Bah ouais, ça c'est les guichets fermés. Bon, c'est deux changements. Voilà les changements qui sont effectués. Jackson, David Faranzi qui est blessé. Ah, il replace Lazaric. Il y aura un changement, lui va jouer titulaire, premier match. André Fonco pour Michael et Cruz replace lui blessé. Tu vois, ça n'est pas favori, c'est Spezia qui favorise, on est chez eux. À l'extérieur, on est chez eux en plus, ça va être compliqué de se maintenir en Serie A. Ah, si on se fait renvoyer, bon, on a un contrat avec eux, on a un fin de contrat 2024, on a un fin de contrat 30 juin 2024, on a un contrat. Dire quoi ça? Ouais, oh, c'est marqué. Certaines absences de 9 joueurs. On a 9 joueurs absents. Putain, on a 9 joueurs absents. Putain. Et bien sûr, 9 joueurs, tu vois. Sans commentaire, monsieur. Voilà, t'as compris. Merci, au revoir. Voilà. Voilà les défaites. Je vais vous montrer un truc. Voilà, je vais faire ça. Voilà. On est par là. Allez, enregistré. Ok. Tac. Je fais ça, putain. Voilà, on a fait deux défaites. Deux fois 1-0. Contre la Roma et contre la Fiorentina. Au prochain, ça sera trois matchs. Ah, ça, j'en ai trois matchs. Hein. Prochaine, bien, t'as Monza à l'extérieur. T'as Monza à domicile. Et Sampdoria à l'extérieur. Ça veut dire que ça enchaîne deux, trois matchs facile. Voilà. Classement juste là. Classement. Ok, classement est juste là. C'est sous. Tac. Ok. Le classement, on est dernier avec 8 points. On a 2 points d'avance sur 2 points de retard sur la Sampdoria. Ouais, 8-10, ok. Je vois le classement. À domicile, on est 14 trophées à domicile, mais sur quoi une victoire à domicile? Une victoire, 2 nuls, 10 défaites à domicile. Putain, n'en parle pas. Extérieur, on est sur aucune victoire à l'extérieur. 3 matchs nuls, 8 défaites. Putain. Oh, ça rend fou, hein. Ça rend fou, les mecs. Putain. Incroyable. Putain, je suis dégoûté, les mecs. Hein. Bon, les gars, je vais vous laisser. On se retrouve. Du coup, je passe cette carrière. Je suis déçu, les mecs. Si vous pouvez m'envoyer un truc intéressant, si vous pouvez m'aider, c'est une bonne idée. Ah, c'est un peu. Ah, c'est désolé. C'est bon, m'attendez là. Bah, désolé, j'ai coupé mon micro. J'ai mis sorti parce que. Voilà. Vous m'entendez, l'équipe? Ah, c'est bon. Bon, désolé de défaite, je suis désolé. On se retrouve mardi prochain pour cette carrière, parce que mardi prochain on part sur cette carrière et voilà. Allez, merci beaucoup, bon appétit à tous, à ce soir pour la carrière Sky Blues. Allez, merci.